Comme vous le savez, chers compatriotes, la décision prise par le président de la République le 27 février de me nommer à ces prestigieuses fonctions permet de constater l'élargissement du périmètre d'action à la francophonie. En réalité, un retour à ce qui a prévalu jusqu'à 2008. Cette situation par elle-même appelle l'urgence d'une réorganisation structurelle. C'est de ces changements en termes de contenu que je veux parler. Car s'ajoute au fait des missions classiques, donc des domaines de la diplomatie politique et diplomatique, il a été ainsi décidé de porter une attention plus particulière aux questions économiques et à l'action culturelle, scientifique et technique. De même que j'ai reçu mandat, du moins instruction, de travailler à l'optimisation administrative, du fonctionnement administratif de l'ambassade, en parfaite synergie avec les services du consulat général du Gabon en France. Eu égard donc à ce qui précède, je puis d'ores et déjà vous annoncer la réouverture dans les prochaines semaines du service économique, ce qui aura vocation à réunir bien des administrations portées vers la promotion et la défense des intérêts économiques de notre pays. Il sied aussi de vous annoncer que dans les prochaines semaines sera ouverte, si les conditions sont réunies, une bibliothèque au sein de l'ambassade, prélude à une action d'envergure en vue d'asseoir la présence culturelle du Gabon en France. Paris a vocation à être la vitrine de notre diplomatie culturelle. Aussi, les personnes investies de la charge de suivre ces différents dossiers vont devoir, et c'est ça le changement dont je parlais, de contenu dont je parlais, vont devoir prendre en compte un certain nombre d'éléments. De façon plus concrète, le conseiller, par exemple, chargé des questions académiques, donc celui qui suit les étudiants aujourd'hui, à partir de lundi, devra suivre les questions de l'éducation à l'OIF. Ce sera aussi le cas du conseiller en charge de la culture qui est invité à suivre les questions de coopération à l'OIF. Surtout que nous avons dans quelques semaines, quelques mois, précisément à Abidjan au mois de juillet, l'organisation de la 4e conférence ministérielle de la culture, des ministres francophones de la culture. Ce sera aussi le cas du nouveau conseiller économique qui sera chargé aussi de suivre les dossiers relatifs à la francophonie économique. Ce sera enfin le cas du conseiller juridique qui devra suivre les questions relatives à la promotion de l'égalité de genre, de l'égalité femmes-hommes, des droits de la femme et des droits de la jeune fille à l'OIF. Le rôle d'un responsable administratif ou politique, c'est déjà de faire en sorte que les personnels soient dans les meilleures conditions de travail. Et quand je regarde la chancellerie du Gabon, la République gabonaise en France, on ne peut pas dire que les conditions ne soient pas réunies. Il a été demandé à l'ensemble des personnels diplomatiques de redoubler d'ardeur, étant entendu que les questions de développement de notre pays constituent aujourd'hui la préoccupation de nos autorités. Vous avez entendu également l'ambassadeur entrant décliner un peu son mode opératoire, de la manière dont il va structurer les choses dans le cadre de sa mission ici. Donc je pense que c'est un bon départ. C'est un bon départ, étant entendu qu'il a dit que dès lundi, tout ceci devrait être mis en œuvre. Donc ça participe là aussi des questions pragmatiques. Ben, écoutez, le ministre l'a dit,
Là aussi, c'est une mission, parce que dans le cadre des missions des CMB, les chefs des missions diplomatiques, ils ont le devoir d'assister et de protéger les Gabonais, quels qu'ils soient, l'ensemble des CMD, les chefs de mission diplomatique. Donc, il a demandé, il a bien dit que le Gabon était un et indivisible. Donc, à charge, aussi bien pour la diaspora, parce que c'est une responsabilité commune. L'ambassadeur a parlé de responsabilité collective aussi. L'ambassadeur fera tout pour être proche de des Gabonais de la diaspora, mais nous osons espérer également que du côté de la diaspora, l'intérêt général, quand je parle de l'intérêt général, il s'agit de notre pays, le Gabon, que les gens se resserrent les coudes. Voilà, merci.